Bonjour les parachutistes. Bonjour. Ça va? Bon, vous êtes en stage là, vous êtes venu pour sauter là. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas sauté? Ben, ça va faire une année. Une année? Mais vous n'avez presque pas de saut, non? Vous n'avez presque pas sauté, vous, non? Tous des débutants, ouais. Vous n'avez pas fait votre service militaire, non? Vous avez été tous réformés. Vous avez été réformés, c'est ça? Oui. Aux trois jours, on s'est tous connus aux trois jours d'ailleurs, non? C'est ça? Hein? Alors dis-moi, toi t'as été réformé pourquoi? Les pieds plats, c'est ça? Non, la tête. La tête. La tête, chef. La tête. Pareil, ça va pas. Et toi, Marco? Les dents, il a dû. Et toi, Marco, t'as été réformé pourquoi? Dis-moi. Pour la tête, ils ont rien la tête aussi. Hein? Donc objecteur de conscience, les deux, voilà. Là. Hein? Et toi, Philippe, t'as été réformé pourquoi? P4. P4? Ah ouais. P4. Ah ouais, c'est dur alors. Ah ouais. C'est dur, hein. Et toi, Gilles? Avant Mercedes. Et toi, t'as été réformé pourquoi? Gilles, regarde. Dépressif. Ah oui, il est dépressif. Hein. Tu étais dépressif chronique, c'est ça? La gueule qu'il a, ouais. Et toi, Daniel? Toi, Daniel, t'es réformé pourquoi? Il est breton. Breton. Breton trop con. Breton trop con. Hein? Et toi, Vincent, t'as été réformé pourquoi? P8. P8? Ah, c'est plus grave que P4, ça. Ah, bah, un peu, ouais. Moi, je crois que j'avais tous les trucs à la fois. Pied plat, objecteur de conscience. Voilà. Hein? Et déconneur. Déconneur. Et voilà, ouais, mais c'était. Ouais. Et les gars, donc vous étiez complexé de ne pas pouvoir sauter, d'être parachutiste, et vous êtes venu faire un stage para à voilà. Plus de 50 ans, quoi, 60 ans pour certains. Voilà, c'est hein? Ça. C'est ça. Se faire peur, se faire peur. C'est ça, et ça fait quoi? On tombe bien tapé quand même, hein, pour certains. Hein. Ça fait un peu peur, non? Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait chaud. Enfin, au niveau de la gamelle, par contre, ça assure. Hein, du poulet. Bon, par contre, tout le monde est à l'eau. Hein. Tout le monde est à l'eau. Ah, on est sérieux, les gars, regardez, immortalisé. Non, dis-moi, Gigi. Toi qui es antimilitariste, hein? À l'origine, j'étais pas antimilitariste, mais fils et petit-fils de communistes. Oh merde! Et il y aurait du sang de Karl Marx dans l'histoire. Donc, pour toi, les mecs qui font de la sape, c'est tout ça, c'est honteux. C'est honteux. Hein? Les mecs qui font des annuités, tout c'est honteux. Hein? Une horreur. Une horreur. Ça devrait pas exister. Hein? Et toi, Marco, tu en penses quoi des mecs qui font de la sape? Il faudrait les fermer, les sapes. Il faudrait les fermer. Il n'y aurait plus que des civils dans les centres. Voilà, que des civils dans les centres. C'est à cause des militaires et les mecs vont dormir dehors bientôt. Et puis il y en a marre des mecs qui ont les cheveux courts, non? Camouflé. Fort spécial, bien sûr. Là, il ne le dit pas, il n'est pas en mode fort spécial, mais. Cadeau du 10. Oh, bon, allez, à tout à l'heure dans l'avion. Ouais.